à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi Presse Afrique TV pour vous informer. Bienvenue dans ce revue des titres de ce vendredi 15 septembre 2023 à la une du journal Les Échos. La mairie de Tcharoye-sur-Mer bloquée. Curiosité, maître Elhadji Mamadou Ndiaye a été interdit de signature. Conséquence, les agents ne perçoivent pas leur salaire. Une requête aux fins d'autorisation de signature déposée toujours avec le confrère. Le temps des manipulations à grande échelle. Macky Sall, Amadou Ba et Abdoulaye Daouda Diallo. Une photo datant de plusieurs années publiée pour faire croire à un accord. Aucune rencontre entre Amadou Ba et ADD depuis plusieurs mois. Si un accord est possible, une énième audience entre Macky Sall et Abdoulaye Daouda Diallo en vue. Source A, la Cour suprême saisie pour rendre nulle la dissolution de PASTEF dissous le 31 juillet dernier. PASTEF avait 2 mois pour s'attacher les services de la Cour suprême, sachant que ce recours n'est pas suspensif. La formation politique d'Ousmane Sonko va introduire un référé pour suspendre la dissolution. Vox Pop, candidature de Beno Bokiyaka et friction entre les responsables apéristes. Humeur, rumeur et manœuvre. Abdoulaye Daouda Diallo derrière Amadou Ba. Abdoulaye Seydou Sowo fait une précision à propos d'une photo avec ADD et Amadou Ba. Tout amalgame, rapprochement ou tentative d'analyse par rapport à la situation actuelle découle des simples ablutions. Toujours avec le journal, Seydi Gassama annonce des poursuites au niveau international contre tous ceux qui sont impliqués, y compris l'État, sur la répression des manifestations au Sénégal. L'Observateur a sa une conséquence des dissidences à PRC, duel fratricide à la base, Mamboy Diawo contre Doura, Doudouka et Sio au sud, le duel Alingu Ndiaye. Samba Ndiobenka, Alinguer possible, mortal, combat ADD et Cheikh Oumar Anne, la jeune garde de la PR aux aguets. Libération sur le Barça ou le Barsac, arrivée massive de pirogues parties du Sénégal en Espagne. Des chiffres inquiétants entre le 4 et le 14. 17 pirogues parties du Sénégal ont accosté en Espagne. Les embarcations portaient 1712 passagers, dont 25 femmes et 15 mineurs. Toujours avec le confrère Fadilou Keïta devant le juge ce vendredi. Il est déjà sous le coup de 2 mandats de dépôt. Bisbille le jour sur les transactions entre Boun Abdallah John et Ali Nguye Ndiaye. Front contre Amadou Ba, un trio avec ADD dans les schémas. Un poche de Boun, s'il est bloqué par le parrainage, c'est probable du côté du maire de Linguère. On ne dément pas, on ne confirme pas. ADD et Amadou Ba ont échangé au King Fat avec Racine Si et le sport pour boucler. Stat quotidien, ses absents ressentis contre l'Algérie. Sunyu Lamb 2013-2023, ces faits qui ont marqué la décennie. Balla conserve son titre à ma chasse Malik Nia, 3 février 2013. La Grosse surclasse Maud Anta, 2 juin 2013. Balla Gay corrige Tafatine, 1er juin 2013. Ama Baldé envoie Malik Nia à la retraite. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette revue des titres des journaux. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Presse Afrique TV et sur presseafrique.com. Retrouvez-moi dans quelques minutes pour le journal des JT.